Ça va être compliqué pour Benjamin Rivière pour prendre la suite. On va retrouver Georges pendant ce changement de pilote. Mais quelle démonstration de Franck Lagorce qui a attaqué de partout. Alors, oh, il n'a pas dit, ça a été absolument superbe. Ils se sont même touchés. Et regardez, Olivier qui vient voir en maillot, qui dit bravo, Piston. T'as fait le boulot. Parce que derrière, oui, ça klaxonnait. Hein. Oui, on est à côté d'Aurélien. On est à côté de Franck. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est vraiment de se congratuler. C'était dur, Franck, il était juste derrière, là, je voyais qu'il était là, mais c'était une super course, super content. Alors les derniers tours, ça a été vraiment très délicat. Ah ouais, c'est très dur, la piste est vraiment dure à conduire, ça bouge beaucoup, on est beaucoup bougé dans la voiture, et Franck était très vite derrière, mais je suis content d'avoir gagné cette première partie de la finale. Bon Franck, alors qu'est-ce qui s'est passé au départ? Ah, je suis parti comme il fallait, mais tu sais, en fait, toute ma carrière, j'ai faite avec Olivier, on a fait tout ensemble, la F1 et ainsi de suite. Et maintenant, il faut que je me fasse juste le monde. Et ben, la famille Panis. Non, plus sérieusement, c'est génial parce que voilà, il y a du respect. Et puis, tu vois, sur la piste, ça n'empêche pas d'essayer des choses. Mais bon, il est parti devant. Alors, quand même, les deux derniers tours, on a senti une remontée assez mirobolante. Oui, j'ai essayé de récupérer la première place. Mais après, bon, voilà, il y a Sébastien qui va prendre le volant. La piste est très piégeuse. On peut déjanter à n'importe quel moment, donc voilà, il faut rester, faut offrir la voiture à Sébastien Loeb maintenant qu'il va partir et j'ai confiance en lui. On a fait la moitié du travail, bravo Franck Lagorce et Olivier est déjà effectivement du côté de la voiture du leader. Quant à la voiture de Sébastien, eh bien, vous voyez que les caméras se dirigent vers lui avec les derniers conseils que sont en train de donner tout simplement Franck Lagorce sur l'état de la piste. Alors l'état, on ne va pas en parler, mais si ce n'est effectivement il y a une évolution naturelle. Comment elle est, il suffit maintenant simplement d'éviter les derniers pièges.